c'est la grève. La grève? Oui, la grève. Plus aucun train ne circule sur tout le territoire. C'est silence total pendant 4 jours. Ouh, mais alors, Malapa, si c'est l'occasion rêvée, c'est le moment idéal. Vous allez me la vendre, cette maison. Monsieur Sando, Carlotta Di Vinci, la propriétaire. Enchanté, monsieur Sando. Appelez-moi Valentin. Les femmes m'appellent toujours Valentin. En même temps, c'est votre nom. Assez bon, ça. De toute façon, ça c'est le pouvoir de la femme, de casser les couilles sans jamais y toucher. Une petite ride autour de vos yeux, de votre bouche. Oh, c'est pas bon. Comme dit-on, Malapin, soyez pas désobligeants avec Dame Carlotta. La nature s'en charge assez au fur et à mesure que les années passent. Les gars, nous avons un problème, Malapin. Une maison à vendre, celle-ci. Un acheteur potentiel, moi. Une vendeuse, ça c'est notre charmante Carlotta. En temps normal, me diriez-vous, nous pourrions trouver un nouvel acquéreur. Mais nous savons tous que la gare TGV implantée dans le jardin complique l'équation. Donc si on prend X, Y et qu'on est fouté la gare TGV... Putain, va, on comprend rien à ce que tu dis, là, on dirait un homme politique. Regarde la tronche à Malapan, on l'a perdu, là. Fais pas confiance à un air con, Mimi. Il y a 51% de Français qui ont fait confiance à un air con, regarde où on est.